Yves Kombo Mationa, je suis conseiller vestimentaire et aujourd'hui nous allons parler des pochettes. J'ai choisi ce thème parce que bon, voilà, je vois quand même des personnes de renom dans le domaine vestimentaire qui font toujours des erreurs en le portant. Donc, moi je viens vous parler du code actuel, comment bien porter votre pochette. Ok. Premièrement, c'est quoi une pochette? Une pochette, c'est un mouchoir de poche de veste. Voici quelques exemplaires. Nous avons les motifs avec les motifs. Nous avons un ton uni, hein, tissé ou satin et autres. D'accord? Ok. Quand est-ce qu'on porte les pochettes? D'accord? Vous pouvez porter vos pochettes pour des grands événements, mariage et autres, mais aussi pour des dandys, des vrais mordus de la sape comme moi, vous pouvez la porter tous les jours. Ok, voilà. Alors, comment la porter? Comme je le disais un peu plus haut tout à l'heure, le code a évolué. D'accord, avant on portait nos cravates et pochettes dans le même ton, même motif, même tissu, mais maintenant c'est à éviter. Donc, chose à éviter, c'est de porter votre pochette de veste dans le même ton, même tissu, même motif que votre cravate. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, vous avez une cravate rouge bordeaux, satin, vous prenez vous portez une pochette satin rouge bordeaux. Comment la porter? Elle est très simple. Soit vous choisissez la méthode contraste des couleurs, c'est-à-dire votre cravate, quand elle est de couleur chaude, vous prenez une pochette de couleur froide. La deuxième méthode, c'est que vous portez la cravate et la pochette dans le même ton de couleur, mais avec des motifs différents et textures différentes. Comme ce que je porte actuellement, vous voyez, ma cravate, elle est jaune, mais ma pochette, elle a d'autres couleurs, mais il y a le rappel de jaune dedans. D'accord? Et là, vous voyez vous-même le résultat, ça fait assez chic. Souvent, il y a de ces packs de cravates qui se vendent, c'est-à-dire la cravate, la manchette et la pochette. Ils sont eux tous dans un pack. Donc, simple, si vous voulez porter cette cravate, allez acheter des pochettes. Des pochettes, ça te vend. Par exemple, dans notre boutique Giordano Moroti, nos pochettes sont 5 000. D'accord? Okay. Les pochettes se marient le plus souvent avec la cravate. Vous pouvez aussi la marier soit avec la chemise pour un peu casser, mais le plus souvent c'est avec la cravate. Quand je disais vous pouvez aussi la marier avec la chemise, certains diront mais comment? Voici pourquoi. Parce que vous pouvez porter une veste sans cravate mais avoir une pochette de veste. D'accord, là vous allez choisir le ton de la pochette par rapport à la chemise que vous portez. Voilà. Ok, donc on a diverses façons de porter, diverses façons de plier, pardon, de plier les pochettes de veste. On a le pli plat, le classique. Nous avons les plis à pic. Il y a un pic, deux pics, trois pics et tout, quatre pics. Il y a diverses façons. Je ne pourrais pas tous les citer. Souvent sur le marché on ne trouve pas de grandes pochettes, souvent on les trouve sur cette taille, et le problème qui se pose souvent c'est que quand vous la mettez dans votre veste, par la suite après des mouvements elle tombe dans le creux de la poche de la veste. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu embêtant parce que après vous devez à chaque fois vous rappeler la tirer un peu vers le haut. Moi j'ai une petite astuce à vous proposer, contre ce petit souci. Simple, ce qu'il faut faire, vous prenez un petit papier mouchoir, vous la pliez en deux, vous la mettez dans le creux de la poche d'abord, avant de mettre votre pochette dessus. Ce qui veut dire que le papier mouchoir va un peu supporter la pochette et l'empêcher de tomber. Ça, c'est l'astuce à la YCL. Donc, pour finir, je vous souhaite beaucoup de courage. Je reste toujours à votre disposition pour toute question. Vous verrez mon numéro qui s'affiche là, et
pouvez me contacter à tout moment pour vous assister dans vos choix de costumes ou de vêtements. D'accord. Sur ce, ciao, ciao.